Bien, bonjour à tous et merci de l'invitation que vous nous faites pour parler aujourd'hui du cancer du sein. Mais déjà pour fixer le propos, je voudrais dire des cancers du sein, car la première marque sur laquelle je voudrais insister, c'est la très grande hétérogénéité des maladies qu'on regroupe sous ce terme générique. Et notre propos aujourd'hui sera d'essayer de montrer comment, devant cette diversité, au moment du diagnostic, par des moyens qui sont relativement simples, on peut essayer de faire des catégories, catégories qui sont de plus en plus fines aujourd'hui, grâce au progrès de la génétique moléculaire, et de voir, donc, le docteur Fabien Real montrera dans un deuxième temps comment, grâce à cette catégorisation de plus en plus élaborée, on peut tenter d'adapter le traitement de manière à avoir pour chaque patiente un traitement le plus pertinent possible en fonction de la présentation. Donc, comme pathologiste, pendant les 30 minutes qui suivent, je vais essayer de vous décrire l'approche, disons, systématique et régulière du pathologiste pour essayer de catégoriser les lésions en fonction de leur aspect et de leur grande capacité, les principaux éléments de capacité de dissémination tumorale au niveau loco-régional, au niveau systémique sanguin. Donc, dans un premier temps, je vous propose de vous commenter très brièvement la classification histopathologique des cancers du sein. Dans un deuxième partie, je vous montrerai comment on définit les caractères histopronostiques des cancers. Et puis, dans une troisième partie, je vous parlerai des marqueurs biologiques en insistant sur l'un d'entre eux, le marqueur RBB2, qui est un marqueur qui est très important pour la définition du traitement des patientes. Donc, un mot sur la classification des cancers du sein. Donc d'abord un mot d'histologie, simplement pour se repérer. Ici, vous avez une coupe d'un tissu mammaire normal et il y a deux grands constituants. Les canaux, ici, donc qui sont les structures qui amènent le lait au niveau du mamelon, et puis les lobules, qui sont les structures au niveau desquelles le lait est fabriqué. Eh bien, si vous regardez un canal à plus fort grandissement, ici, c'est le canal est dans sa paroi, vous avez deux couches cellulaires. Vous avez une couche cellulaire ici, les cellules dites luminales, et puis vous avez une couche cellulaire qui est en dessous, les cellules type basale. Et vous verrez que dans les grandes classifications moléculaires des cancers du sein, on parle des cancers de type luminal ou des cancers de type basale. Et ça fait référence à ces deux familles de cellules qui sont au niveau des canaux. Et puis, vous avez ici une unité lobulaire, un lobule avec ces cellules-là, et un certain type de cancer du sein sont dérivés des lobules. Et voici la classification très grossièrement, les carcinomes de type canalaire, 85% des cancers, les lobulaires, 10%, et puis vous avez d'autres types histologiques qui sont plus rares et que je vais vous illustrer très très brièvement. Donc, l'approche, disons, thérapeutique initiale d'un cancer, c'est d'enlever la lésion. Et ici, vous avez une pièce de mastectomie partielle, c'est-à-dire un fragment tissulaire qui nous est envoyé. Il y a des fils de repère qui permettent de savoir comment la pièce est orientée dans l'espace. Et le travail du pathologiste, c'est de couper cette pièce et de voir à la partie centrale, ici, eh bien, cette lésion, qui est une lésion qui souvent est indurée, plus ou moins rétractile, et au niveau de laquelle il va faire des prélèvements pour l'analyse histologique. Ici, c'est un carcinome de type canalaire, et donc il observe qu'il y a une prolifération non structurée de cellules épithéliales. Le deuxième grand type histologique, c'est le carcinome type lobulaire. Ici, la pièce a été ouverte. Vous voyez qu'on ne visualise pas très bien la lésion. On pourrait la palper. Quand on palpe, on sent qu'il y a des indurations, mais on ne la voit pas ou on la voit mal. Et ceci est dû au fait que dans ce type de cancer, la prolifération est très peu cohésive. Toutes ces cellules sont dispersées au sein de la trame. Vous les voyez ici, hein, ces éléments qui sont indépendants les uns des autres. Vous les voyez ici, un plus fort grandissement. Et la grande caractéristique de ce type de cancer, qui représente environ 10 à 15% des cas, c'est que c'est un carcinome dit à cellules indépendantes. Voyez, bien que ce soit des cellules épithéliales, d'habitude les cellules épithéliales collent les unes aux autres, alors que là elles sont entièrement dispersées. Ceci est dû à une altération moléculaire, la E-cadérine, qui est une protéine d'adhésion intercellulaire, qui ici dans un carcinome canalaire, on peut visualiser par ce marquage brun qui est entre les cellules et qui montre que cette protéine est présente pour permettre aux cellules de coller les unes aux autres. Bien, les carcinomes lobulaires, elle est perdue. Vous avez ici un canal normal. Et ceci explique, donc, cette altération moléculaire spécifique explique ce trait
phénotypiques particuliers des cancers lobulaires, qui sont des cancers à cellules indépendantes. Et puis vous avez d'autres types de cancers dont vous entendrez parler, le carcinome médulaire, très bien limité, constitué d'une prolifération de cellules très indifférenciées. Vous avez le carcinome de type mucineux, qui est un petit peu gélatineux à la coupe et qui est caractérisé par la présence d'une production de mucine très importante, au sein de laquelle on retrouve des amas de cellules tumorales. Vous avez les carcinomes de type apocrine, qui est constitué de très grandes cellules basophiles, et qui représente un type histologique particulier. Donc, une fois que le diagnostic histologique est fait, le pathologiste a un travail qui consiste à dire, bon, le diagnostic de cancer est fait, mais on a défini son type histologique, mais maintenant, est-ce que c'est un cancer qui va être plutôt grave, ou un cancer dont les caractéristiques morphologiques vont être plutôt favorables? Et pour cela, eh bien, il y a des grands éléments décisionnels importants qui sont bien sûr la taille, mais ça c'est une évidence, mais c'est surtout le grade histopronostique, la présence ou non d'embolie tumorale, et puis le statut ganglionnaire. En effet, comme vous le savez, les cancers du sein, tous les cancers en général, ont la capacité une capacité de dissémination, et le premier relais, c'est le relais ganglionnaire, et il sera très important de définir quel est le statut des ganglions. Donc je vais aller très vite sur les critères histopronostiques qui définissent le grade. Le grade, il y a trois critères. La différenciation, est-ce que la tumeur forme des glandes de façon majoritaire ou pas? Et vous avez ici un carcinome très bien différencié. Vous voyez ici, toutes ces structures glandulaires sont des structures tumorales, mais la tumeur fabrique des glandes, donc elle reste encore très proche de son tissu tumoral natif, qui est formé des canaux, vous voyez, c'est autant de petits canaux, alors que dans une tumeur très peu différenciée, mais il n'y a plus de formation glandulaire. Donc là, la différenciation sera côté 3. Et puis, il y a savoir si les deuxièmes critères, c'est celui du pléomorphisme nucléaire, on regarde si les noyaux sont réguliers ou au contraire montrent des atypies cellulaires marquées. Et puis le troisième critère, c'est est-ce que cette tumeur a des capacités de prolifération fortes ou faibles? Et là, le pathologiste compte les mitoses sur 10 champs successifs au fort grandissement, et il met une cote 1, 2, 3, selon qu'il y a 10 à 20 ou plus de 20 mitoses. Et vous avez ici un carcinome qui a un index mitotique fort, vous avez une mitose ici, vous en avez une là, vous en avez une là, vous en avez d'autres. Et donc, une ici. Donc vous voyez, c'est un moyen extrêmement simple d'apprécier le niveau de prolifération et d'être capable de le coter, et ensuite on additionne chacun des scores qu'on a donnés à chaque critère. Et en fonction de la somme, on va définir si c'est un carcinome de grade 1, de grade 2 ou de grade 3, ce qui a une importance considérable pour le pronostic. Ici, vous avez le suivi à long terme d'une large série de patients traités à l'Institut Curie, et en regardant le taux de survie en fonction du grade, eh bien, vous voyez que les grades 1 en haut ont une bien meilleure survie que les tumeurs de grade 3. Deuxième élément morphologique caractéristique, c'est les embolies tumorales, qu'on cherche donc dans les vaisseaux, en général dans les vaisseaux lymphatiques, et vous avez ici des structures vasculaires qui sont à l'intérieur de la glande mammaire, et ici vous avez des vaisseaux lymphatiques qui sont distendus, et dans ces vaisseaux lymphatiques, vous avez des cellules tumorales. Vous voyez ici un large vaisseau lymphatique, et vous avez de très nombreux amas de cellules tumorales qui sont dans ce vaisseau, ce qui indique que la tumeur a une capacité d'extension à distance qui est plus importante qu'une tumeur qui ne montrerait pas ces aspects d'embolie tumorale. Et puis troisième critère maintenant, ça n'est plus dans le sein lui-même, mais dans la région axillaire, donc on n'est plus en local, mais on est en loco-régional, et on regarde ce qui se passe au niveau du premier ganglion qui est au niveau de l'aisselle, le ganglion qu'on appelle le ganglion sentinelle, parce qu'il est le premier, et donc l'un des grands progrès dont Fabien Réal parlera tout à l'heure, c'est au lieu d'examiner systématiquement tous les ganglions qui sont présents au niveau de l'aisselle, on repère le premier ganglion et on l'analyse avec des techniques qui sont relativement fines, et la définition de ce statut du ganglion sentinelle est très importante pour évaluer la gravité de la maladie. Au point de vue terminologique, c'est important de bien avoir en tête la définition. De ce ganglion sentinelle, on peut chercher s'il y a des métastases, des micrométastases ou des métastases dites occultes. Et le critère dépend de la taille. Si la lésion qu'on trouve dans le ganglion sentinelle est supérieure à 2 mm, on va parler d'une métastase. Si elle est comprise entre 0,2 mm et 2 mm, on va parler d'une micrométastase, et ces deux diagnostics sont faits par les techniques standards de la NAPAT. Et puis si
La métastase a une taille qui est inférieure à 0,2 mm, donc qui est pratiquement infraclinique. On parlera de métastase occulte, et ceci n'est mis en évidence que par des techniques d'immunohistochimie, et je vais y revenir dans un instant. Donc, pour repérer le ganglion sentinelle, ici, c'est une pièce d'exérèse d'un cancer du sein. Le chirurgien a injecté du bleu autour de la lésion, puis il a suivi la migration du bleu, et le premier ganglion qui devient bleu est le ganglion sentinelle. Il est adressé au pathologiste qui, pendant l'intervention chirurgicale, va couper ce ganglion en deux et va l'examiner sur des cryocoupes. Et s'il trouve une localisation métastatique, il prévient le chirurgien qui, dans le même temps opératoire, va faire un curage axillaire. Si rien n'a été repéré pendant l'intervention, bien le pathologiste, dans un deuxième temps, va faire une analyse extensive du ganglion sentinelle à la recherche de petites métastases, donc de micrométastases, ou éventuellement, par des techniques d'immunohistochimie, de métastases occultes. Et vous avez ici une cellule tumorale qui est présente dans le ganglion. Nous avons, dans un travail qui est déjà ancien, essayé d'évaluer quel était le niveau minimal d'analyse du ganglion sentinelle qui permettait d'avoir le plus d'informations possible. En effet, si on fait une analyse par coupe série, on peut faire un très grand nombre de coupes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, simplement pour vous indiquer que ce travail nous avait permis de voir que dans un ganglion sentinelle, les cellules pouvaient se disperser n'importe où dans le ganglion, mais qu'en général, il était très rare qu'il n'y en ait qu'une ou deux, et que si on analyse trois coupes histologiques, quel que soit l'endroit où on le prenne à l'intérieur du ganglion, on a, dans la plupart des cas, l'information nécessaire. Et donc, c'est aujourd'hui la technique que nous avons adoptée et qui a fait ses preuves, qui nous a montré que l'analyse des ganglions sentinelles par des coupes sériées sur trois coupes successives, qu'on analyse soit par coloration standard, soit par recherche immunohistochimique de cellules épithéliales, eh bien, dans la plupart des cas, on pouvait avoir une information et c'est très robuste et très sensible. Alors, quel est ce qu'on observe dans ces ganglions sentinelles? Bien, dans 14% des cas, il y a des lésions métastatiques de plus de 2 mm. Dans 9 à 10% des cas, des lésions micrométastatiques inférieures à 2 mm, mais supérieures à 0,2. Puis dans 6% des cas, des métastases occultes qu'on ne trouve pas que par immunohistochimie, qui sont donc que des éléments très dispersés et très rares. Toutes ces patientes font l'objet d'un curage axillaire, donc d'un évidement axillaire, et le taux de métastases dans le reste de l'évidement est d'environ 30% s'il y a des métastases dans le ganglion sentinelle, 15% dans les micrométastases, et puis de 14% en cas de métastase occulte. Eh bien, le taux de survie en fonction du niveau d'extension ganglionnaire, vous voyez, est très différent, et en particulier, les patientes qui ont plus de 3 ganglions envahis dans le niveau du pré-axillaire ont globalement un taux de survie qui est bien moindre que celles qui n'ont pas d'envahissement axillaire. Alors, un autre élément d'appréciation, mais qui n'est pas encore entré en pratique courante, mais dont je voudrais parler parce qu'il est quand même important à connaître, c'est que au moment du diagnostic, chez les patientes qui ont des tumeurs de petite taille, il est possible de mettre en évidence, par certaines techniques, des localisations métastatiques qui sont infracliniques, en particulier dans la moelle osseuse. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, je vais vous montrer juste un résultat concernant une analyse de patientes, une série de patientes qui ont un prélèvement de moelle osseuse au moment du diagnostic. On trie les cellules de la moelle et on va les étaler sur une lame comme ça et on va rechercher des cellules métastatiques au niveau de cette moelle. Eh bien, par des techniques d'immunohistochimie, vous voyez, on peut trouver des agrégats de cellules épithéliales manifestement atypiques et qui montrent qu'il y a donc des métastases occultes au diagnostic d'un cancer du sein et encore une fois d'un cancer du sein qui était de petite taille sans forcément évidence de gravité histologique. Eh bien, dans notre série, le taux de métastases occultes dans la moelle chez les patientes qui avaient des tumeurs de petite taille était de 15%. Ça veut dire qu'au moment du diagnostic, même si vous n'avez pas d'évidence de gravité, dans 10 à 15% des cas, il y a déjà des cellules qui sont présentes au niveau de la moelle osseuse. Et nous avons croisé l'information entre moelle osseuse positive et ganglion sentinelle. Est-ce que le ganglion sentinelle était négatif, métastatique, micrométastatique ou avec des métastases occultes? Eh bien, le taux dans la moelle osseuse est identique dans les quatre classes, ce qui nous a fait dire que l'extension métastatique ganglionnaire axillaire n'est pas une étape nécessaire à l'extension métastatique ostéomédulaire. Ce sont deux phénomènes différents, et donc c'est un élément à connaître qui n'est pas encore pris en charge dans les indications thérapeutiques, mais je pense, je suis convaincu qu'il sera pris en compte dans quelques années.
Maintenant, je vais me déplacer après cette description purement morphologique de la tumeur, de ce qui se passe au niveau axillaire et de ce qui peut se passer au niveau ostéomédulaire. Je vais vous parler très brièvement des marqueurs biologiques qui sont importants pour la décision thérapeutique, car un certain nombre d'entre eux sont des indicateurs d'une thérapeutique qui va être une thérapeutique spécifique, en particulier récepteurs aux œstrogènes. Je parlerai un peu plus longuement de CRBB2, ceci à cause des indications, bien sûr, de thérapeutique ciblée anti-œstrogène et CRB2 de thérapeutique anti-CRBB2. Bon, juste un mot sur les récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone qu'on détecte par immunohistochimie. Vous voyez ici, c'est un carcinome lobulaire qui exprime fortement ce récepteur qui est marqué en brun, alors que les cellules d'un canal normal ici ne l'expriment pas. Le pathologiste évalue ce marquage et quand plus de 10% de cellules sont marquées, il répond que la tumeur exprime les récepteurs aux œstrogènes. Pareil pour les récepteurs à la progestérone. Ici, c'est l'index de prolifération dont le docteur Rial parlera tout à l'heure. Donc, je n'insiste pas sur l'importance de ce facteur qui est également crucial. Et maintenant, je vais passer quelques minutes à parler donc de l'amplification et de la surexpression d'RBB2 parce que c'est un très bon exemple de l'analyse d'une altération génétique qui a des conséquences majeures pour les indications thérapeutiques. Je vais donc vous définir d'abord ce que c'est qu'une amplification génique, de voir qu'il y a corrélation entre amplification et surexpression de la protéine, et vous dire un mot sur la stratégie d'analyse pour définir le statut d'RB2 qui sera à prendre en compte en pratique. Donc, sur cette image, vous avez deux choses différentes. Vous avez ici donc des cellules qui sont analysées par hybridation in situ avec des sondes, une sonde spécifique du gène RBB2. Normalement, il y a deux copies de ce gène, et vous voyez qu'il y a un agrégat ici, qui implique que ce gène est amplifié, eh bien non seulement le gène est amplifié, mais la protéine est surexprimée dans la tumeur, c'est des cellules tumorales ici, eh bien la protéine ici est marquée au niveau de la membrane, c'est ce marquage brun, et vous voyez qu'elle est surexprimée par rapport au tissu normal qui est présent ici et qui ne montre pas de surexpression de la protéine. Donc vous avez pour RBB2 une amplification génique qui se traduit par une surexpression de la protéine. Cette protéine est une cible thérapeutique. On injecte à la patiente des anticorps anti-RBB2 et ça a été un grand progrès dans l'approche des cancers du sein. Et nous pensons que ce type d'altération peut se reproduire, peut être trouvé dans d'autres circonstances et ça nous servira de modèle. Alors un mot donc pour l'analyse de ce statut du gène. Et d'abord, sur la définition de l'amplification, pour rappeler qu'il existe deux formes génétiques d'amplification. Il y a les amplifications qui sont au niveau de petits chromosomes, qu'on appelle les doubles minutes, et vous avez dans le noyau de la cellule une multiplication de ces mini-chromosomes qui vont contenir le gène d'intérêt. C'est par exemple l'amplification de Mikken dans les neuroblastomes. Et puis vous avez un deuxième type d'amplification qui concerne les cancers du sein. Et là, ça n'est pas des petits chromosomes, et c'est un chromosome, et ici vous en avez un, qui va dupliquer toute la région qui concerne le gène d'intérêt, d'où le nom de HSR, pour Homogeneously Stained Region, et ça donne un aspect en hybridation in situ qui est différent, vous avez des domaines qui sont marqués, vous avez ici, vous voyez, le marquage est réparti sur toute la surface nucléaire, alors que dans le cas d'RB2, vu que c'est un chromosome qui est marqué, eh bien ça donne des domaines, et ici je vous en montre un pour illustrer le propos, vous avez dans ce cancer du sein, il y a un chromosome 17 qui comporte de très nombreuses copies du gène RBB2. Alors la difficulté d'analyse vient du fait que le fait d'avoir une surreprésentation d'un gène n'est pas forcément dû à une amplification du gène, mais peut être dû à une polyploïdie du gène, une surreprésentation chromosomique. Vous avez ici un cancer du sein avec de très nombreux chromosomes, il est hyperploïde, et vous avez 4 chromosomes 17. Et donc, vous pouvez obtenir dans ce type de cancer un signal, une surexpression de la protéine, mais qui n'est pas due à une amplification, mais qui va être due à une surreprésentation du gène, du chromosome qui porte le gène. Vous avez ici une amplification, et ici, vous avez une surreprésentation. Et pour faire la différence entre les deux, eh bien, le pathologiste fait son analyse en mélangeant deux sondes. Une sonde spécifique du gène RBB2, et une sonde spécifique du chromosome 17, de la partie centromérique du chromosome 17. Et il compare les deux images. Et il voit bien qu'ici, bien sûr, vous avez 4 copies d'RB2,
Mais ça n'est pas une amplification du gène, parce que vous avez aussi quatre copies du chromosome 17, et c'est donc une surreprésentation du gène. Et ici, une, deux, trois, quatre, cinq copies d'ARBB2, mais vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six copies du chromosome 17, et c'est donc une surreprésentation. Donc, le pathologiste aura à faire cette différence entre amplification qui traduit une surexpression ou bien surreprésentation qui va traduire une surexpression mais qui sera de niveau beaucoup plus faible. Je vais passer sur les détails, mais c'est vraiment la surexpression forte de la protéine qui est recherchée, car c'est dans ces cas-là que l'efficacité thérapeutique sera maximale. Et comme c'est des traitements qui sont lourds et onéreux, il faut être capable de bien sélectionner les patientes qui seront susceptibles d'en bénéficier. D'un autre côté, les techniques de Fish sont des techniques qui sont relativement compliquées et donc qui sont plus onéreuses. Et donc, la stratégie maintenant est d'analyser d'abord par immunohistochimie comme une première étape, de voir si on peut répondre le cas par ces techniques. Et dans les cas douteux, où l'intensité est faible, à ce moment-là, de faire une analyse par les techniques de Fish. Donc, l'immunohistochimie est très performante si elle est bien calibrée avec des conditions techniques qui sont précises, en particulier au niveau du pH et au niveau de la dilution de l'anticorps. Et ça permet d'obtenir des résultats dans l'immense majorité des cas, dans la grande majorité des cas, avec des règles d'interprétation qui sont strictes. Si vous n'avez pas de marquage ou un marquage faible, il n'y a pas d'indication au traitement. Si vous avez un marquage fort, il y a une indication au traitement. Puis si le marquage est modéré, alors là, il faut faire l'analyse par Fish pour être certain qu'il s'agit bien d'une surexpression. Voici un cas de... Ici, vous avez un cas de marquage fort, il n'y a pas de doute. Et ici, vous avez un cas de marquage douteux. On dit 2+, et c'est là où sont indiquées l'analyse par Fish. Alors, la Fish est également une technique qui est fiable, mais qui est quand même plus lourde à mettre en œuvre. Et pareil, il faut avoir des règles strictes pour l'interprétation, et on a l'habitude donc de faire le ratio entre le nombre de copies de RBB2 et le nombre de copies du chromosome 17. Et si vous avez un ratio qui est supérieur à 3, à ce moment-là, on va parler d'une amplification du gène et il y a une indication à faire un traitement par l'herceptine. Donc voici un diagramme qui vous montre la stratégie. Donc si vous faites l'immunohistochimie, dans 80% des cas, il n'y a pas de surexpression et donc il n'y a pas d'indication. Et si vous trouvez une surexpression, si elle est forte, il y a une indication de traitement, et si elle est modérée, ce qui représente qu'un tiers des cas avec une surexpression, ben à ce moment-là, il faut faire une analyse par Fish. Dans 60% des cas, il n'y a pas d'amplification, mais dans 40%, il y aura une amplification. Voici donc le panorama que je peux vous proposer sur la caractérisation, disons, morphologique et immunophénotypique des cancers du sein, et puis vous avez des cancers du sein qui n'ont aucun marqueur. Vous recherchez RO, c'est négatif, RP, les récepteurs à la progestérone, c'est négatif. RB2 est également n'est pas amplifié. Ce sont les carcinomes qu'on appelle triple négatif. Donc, ce sont un problème pour les thérapeutiques, pour le thérapeute, parce qu'il n'a pas de cible. Il ne peut pas mettre du tamoxifène, il ne peut pas mettre des anti-RBB2. C'est un groupe de tumeurs qui est, là encore une fois, qui est très hétérogène. Il y a certainement des carcinomes, la plupart des cas sont des carcinomes canins infiltrants de haut grade, mais il y a aussi des types histologiques spécifiques. Carcinome apocrine, carcinome lobulaire pléomorphe, qui sont des triples négatifs. Et puis, dans ce groupe des triples négatifs, vous avez aussi un sous-groupe qui s'appelle les carcinomes de type basal. C'est en référence à ce dont je faisais allusion au début de cet exposé, qui ont un immunophénotype assez caractéristique. Et là aussi, il y a des carcinomes. Ces carcinomes de type basal correspondent à un sous-groupe des carcinomes canaliens infiltrants, mais il y a des types histologiques spécifiques, les carcinomes médulaires, les cancers du sein qui se développent chez la femme qui est porteuse d'une altération constitutionnelle de BRCA1 ou BRCA2, et puis d'autres types de cancers du sein qui sont des cancers rares, des types de cancers rares. Et là, il est tout à fait vraisemblable, il y a d'importantes recherches actuellement pour essayer de voir dans quelle mesure certains types spécifiques de chimiothérapie pourraient être plus spécifiquement efficaces chez les patientes qui présentent ce type de tumeur. Voici un exemple de carcinome médulaire qui est héronégatif alors qu'on trouve une expression dans la lésion. Et donc, dans un certain nombre de cas, bien, ces marqueurs biologiques sont très efficaces pour définir à la fois un élément pronostique et pour définir quelles sont les applications thérapeutiques, mais il y a des limitations. Et donc, c'est de savoir dans quelle situation la pathologie va être limitée. Donc,
Voici ma dernière diapositive. L'examen histopathologique a un nombre d'atouts pour lui, un certain nombre de forces. Vous voyez, si on définit bien le phénotype, c'est-à-dire si on définit bien le type histologique et qu'on définit bien l'immunophénotype, avec des techniques qui sont robustes, qui sont simples et spécifiques, à un coût minime, dans la plupart des cas, dans une grande majorité de cas, on arrive à définir, disons, à caractériser la lésion et l'ensemble lésionnel de façon optimale. Mais il y a des limites. Il y a des cancers triple négatifs, nous n'avons aucun marqueur. Il y a des éléments comme l'extension systémique minime au niveau de la moelle osseuse dans le sang circulant n'est pas appréciée par ces techniques histologiques classiques. Et puis il y a des nouveaux marqueurs moléculaires à valeur pronostique et prédictive. Et c'est les nouveaux champs de recherche dont on espère qu'ils seront capables d'enrichir la pathologie. Bien, je vais maintenant laisser la parole au docteur Fabien Réal qui va nous montrer comment ces informations qui sont acquises par le pathologiste sont utilisées pour définir une prise en charge optimale.